Donc moi, je suis Jérôme Dubois, je suis auteur de BD depuis quelques années maintenant. J'ai fait les arts déco oratifs de Strasbourg, donc une école de dessin en Alsace, pendant 5 ans, dans laquelle j'ai appris l'illustration à la bande dessinée. Et ensuite, j'ai proposé mes projets à Cornelius, avec qui je travaille principalement maintenant. Donc la genèse du projet Bien Normal, c'est que je faisais des exercices de dessin d'après un bouquin de Yvan Brunetti, qui sont des petits exercices de narration en 4 cases. Et en fait, pour ça, je m'étais fabriqué un petit carnet de 4 cases avec chaque page un strip à faire. Et je faisais ça dans les transports, un peu pour passer le temps. Et puis peu à peu, une fois que j'en ai eu une petite collection, j'ai montré ça à Cornelius, on les a publiés dans la revue Nicole et ensuite en album dans une collection. Bien Normal, c'est un livre d'humour, on va dire. C'est, alors selon les gens, du mot noir ou cynique, moi je ne sais pas trop comment le positionner là-dessus, mais c'est des blagues sur le quotidien et un peu la société actuelle. Pas très réjouissante, mais normalement un peu drôle. Ce qui m'inspire au quotidien, c'est un peu tout. En fait, j'observe pas mal ce qui se passe autour de moi, notamment les transports. C'est aussi pour ça que ça s'est fait là, c'est que je suis un peu en train d'écouter les conversations des gens, de regarder leurs attitudes et leurs trucs. Et après, c'est rare que je réécrive directement ce que je vois, mais en fait, peu à peu, il y a des idées que je mets de côté et des choses que je mets en place, que je garde. C'est vraiment ce que je vois tous les jours, en fait. Alors, si je devais décrire mon style, je dirais un peu de ce que les gens m'en disent, de la façon dont ils le perçoivent. C'est qu'en général, c'est assez géométrique. Moi, j'utilise beaucoup d'outils de construction, d'outils d'architecture, en fait, donc des règles, des équerres, des perroquets et des choses comme ça pour tracer les courbes et toutes les formes que j'utilise, parce que j'aime bien avoir des formes très tendues, donc géométriques. Après, on dit froid aussi, là où moi je suis pas entièrement d'accord, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur dans mes dessins, mais non, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est qui est assez figé, quoi. Pas forcément dynamique. Je suis un peu à l'opposé du dessin de geste, en fait. Alors pour moi, un bon dessin, c'est quand il me plaît avant que j'ai commencé à le regarder précisément, en fait. Moi, je pense beaucoup à la composition, et c'est dans la seconde où j'ai commencé à regarder l'image, si je commence à distinguer des masses et un dynamisme qui me plaît, c'est les conditions, en tout cas, pour qu'après ça soit bien. Il faut que ça passe par là obligatoirement. Après, le résultat, ce qui se passe derrière et le contenu peut être très très variable selon les personnes qui le font. Mais le point commun à tout ça, moi, c'est toujours la composition et la mise en place dans la page.